monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous présente donc aujourd'hui mes produits terminés. C'est une vidéo que j'ai filmée auparavant, ensuite je me suis arrêtée, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai arrêté de garder mes produits, j'ai arrêté de filmer cette vidéo et il y a quelques temps je suis retombée sur des vidéos produits terminés et je me suis dit pourquoi pas la présenter de nouveau, surtout qu'à l'époque ça vous plaisait quand même pas mal. Donc voilà, j'ai repris mon sac dans lequel j'avais déjà des produits que j'avais gardés du coup de l'époque et j'ai rajouté donc les produits que j'ai gardés depuis maintenant quelques semaines. Donc voilà comment est le sac, il est quand même bien rempli, donc c'est parti. Pour cette vidéo, je vais procéder par catégorie parce que voilà, c'est beaucoup plus simple pour vous, vous y retrouver et pour moi filmer. Du coup, je vais commencer avec la catégorie cheveux. Et donc tout d'abord, je vous présente deux produits de la marque Timothée. Donc produits pour les cheveux, shampoing et après-shampoing. Tout d'abord, cette gamme-là qui est de la gamme à la noix de coco, donc c'est la gamme pure. Donc ça, c'est l'après-shampoing. J'ai également terminé le shampoing en fait quasiment en même temps, mais j'ai gardé qu'une seule bouteille. Et c'est une gamme que j'aime beaucoup parce que je trouve déjà qu'elle sent très très bon la noix de coco. Elle sent pas la noix de coco chimique, je trouve que c'est vraiment naturel, c'est pas du tout écœurant. Et en plus de ça, je trouve que ça me rend les cheveux plutôt doux, plutôt souples, assez brillant également. Donc voilà, c'est une gamme que je trouve très très bien pour mes cheveux. En plus de ça, il y a écrit 0% du coup de silicone, de parabène et de colorant. Donc personnellement, je fais pas du tout attention à ça. Mais comme ça y est, bah écoutez, tant mieux. Et ensuite du coup de la même marque mais pas la même gamme, du coup c'est la gamme à l'huile précieuse. Donc là c'est le shampoing, je suis actuellement en train de terminer l'après-shampoing. Et pareil, j'aime énormément cette gamme, elles sont vraiment hyper bonnes. Donc ça c'est plusieurs huiles précieuses. Et voilà, encore une fois ça laisse le cheveu doux, le cheveu souple, brillant et tout ça. Donc voilà, c'est deux gammes que j'aime beaucoup et que je rachèterai étant donné qu'ils font actuellement partie de ma routine. Dernier produit pour les cheveux, c'est un masque du Petit Marseillais. Donc c'est le Nutrition Intense aux deux huiles karité et argan pour les cheveux très secs et frisés. Et pareil, celui-ci je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très très bien en masque pour mettre, voilà, pas tout le temps mais de temps en temps quand vous avez envie de redonner un coup de boost à vos cheveux, quand vous avez envie de les nourrir on va dire en profondeur, voilà, je vous le conseille. Personnellement je l'utilisais, celui-là il est pas récent, hein, il est assez vieux, mais je l'utilisais après avoir fait mes mèches et je peux vous garantir qu'après mes mèches j'ai les cheveux qui sont hyper hyper secs, qui sont vraiment pas du tout démêlables si je mets pas un bon masque ou un bon soin en fait. Et je mettais tout le temps ça après avoir fait mes mèches et honnêtement c'était top puisque bah, ça me permettait de les démêler très facilement, ça réparait un petit peu le cheveu puisque voilà les mèches abîment énormément. Et voilà, en plus de ça, bon là ils sentent plus grand chose mais ils sentent super bon la karité je trouve, plus que l'argan. Donc voilà, c'est un masque que vous trouvez en commerce et qui est franchement plutôt pas mal, donc oui je le rachèterai, pourquoi pas. J'ai également terminé deux shampoings secs de la marque Baptiste. Donc là je vais pas trop m'attarder dessus puisque c'est des produits que je vous ai déjà présentés lors de mes anciens produits terminés. D'ailleurs si vous voulez aller voir, je vous les mettrai en barre d'infos. Et voilà, pour moi c'est la meilleure marque de shampoing sec qu'il existe puisque voilà, ça permet de vraiment redonner un petit coup d'éclat à vos cheveux lorsqu'ils sont sales, ça leur redonne un peu de volume sans faire des traces blanches ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc j'alterne des fois entre le Brit et le blush, donc voilà, ça dépend de celui que je trouve, mais est-ce que je les rachèterai? Oui, bien entendu, c'est les seuls shampoings secs d'ailleurs que j'achète. On passe maintenant à la partie corps avec les gels douches et là j'en ai beaucoup à vous présenter. Donc tout d'abord un de chez Garnier qui est l'ultra doux douche soin. Donc avant d'acheter celui-ci je ne savais absolument pas que Garnier faisait des gels douches, mais c'est une belle surprise. Donc celui-ci c'était à l'eau de coco et aloe vera, hydrate et rafraîchit, et c'est un gel douche que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Voilà, il était transparent, un petit peu bleu, il sent super bon. Oh, il sent super bon la noix de coco. Et voilà, je trouvais qu'il nourrissait bien le corps, il asséchait pas la peau. Donc voilà, il a tout bon, en plus de ça il mousse bien. Donc voilà, c'est un gel douche que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé, hop je vais prendre un petit peu comme ça, un de chez Cottage, donc le citron gourmand douche lait hydratant. Celui-ci c'est un gel douche que j'avais reçu de la marque Cottage. Alors j'ai bien aimé la texture qu'il avait, le fait qu'il moussait, mais je me suis lassée de l'odeur. Je trouve que citron gourmand, bah, c'était justement trop gourmand. Donc en fait à la fin j'avais un petit peu hâte de le terminer parce que voilà, j'en avais marre de cette odeur là. Donc je ne pense pas le racheter. Après je me redirigerai très favorablement vers des marques, enfin vers la marque Cottage pardon,
parce que les gels douches en soi sont bien, mais du coup pas vers cette odeur là. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Sephora, donc c'est leur fameux gel douche fleur de coton, donc bain de douche moussant, que j'avais eu en solde, donc pas cette année, l'année dernière. Je l'avais eu à 2,39€ au lieu de 7,95€. Et celui-ci j'ai pas beaucoup aimé. Tout d'abord l'odeur, je trouvais que ça faisait très chimique. C'est pas du tout l'odeur à laquelle je m'attendais, parce que fleur de coton c'est une odeur que habituellement j'aime bien. Et là j'ai trouvé que c'était beaucoup plus chimique, enfin voilà ça. Et en plus de ça la texture, j'ai trouvé qu'elle asséchait ma peau, j'ai pas aimé. Je trouve qu'après j'avais même les mains sèches, donc voilà, j'ai pas aimé ni l'odeur ni la texture, donc je le rachèterai pas. Et en plus de ça, un gel douche qui vaut 7,95€, honnêtement je trouve que c'est franchement de l'arnaque. Quand vous voyez qu'ils peuvent vous le vendre 2,39€ et que dans tous les supermarchés c'est moins de 3€ un gel douche, je trouve que c'est beaucoup beaucoup trop cher. Ensuite un gel douche de chez Le Petit Marseillais, qui est donc le douche crème de soin hydratation intense, beurre de karité et amande douce. Celui-ci pareil, je l'ai terminé il y a un petit moment, mais je me rappelle l'avoir vraiment beaucoup aimé. Il avait une texture, vous savez, un petit peu crème, très onctueux, voilà, il asséchait pas la peau, l'odeur karité sentait hyper hyper bon. L'amande douce, d'habitude je suis pas fan de l'amande, mais là c'était juste subtil, enfin ça m'a pas du tout embêtée. Donc voilà, c'est un gel douche que j'achèterai, il y a écrit confort 24 heures. Et effectivement ben, j'ai trouvé que ça hydratait plutôt bien la peau. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai qu'il y a des gels douches qui assèchent beaucoup plus la peau que d'autres, celui-ci non. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, très certainement. Pour terminer avec les gels douches, j'ai terminé 3 mousses de douche de 3 marques différentes. Tout d'abord un de chez Dove, donc c'est la mousse de douche sur gras à l'huile d'argan, douche et rasage. Alors ça je m'attendais à vraiment quelque chose de très onctueux et tout ça, donc c'est le cas puisque ça sort quand même en mousse. Mais j'ai pas été fan du rendu qu'il avait sur la peau, j'ai pas du tout été fan de l'odeur d'ailleurs. Je trouvais que ça sentait, j'ai pas du tout aimé. Habituellement l'huile d'argan, enfin l'odeur d'argan j'aime beaucoup, je vous ai d'ailleurs présenté des savons dans lesquels il y avait de l'argan que j'aimais beaucoup. Mais celui-ci, voilà, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que ça faisait trop chimique. La texture était pas mal, mais beaucoup, je sais pas, je m'attendais à beaucoup mieux par rapport au gel douche que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, celui-ci, je rachèterai pas. Pourquoi pas peut-être essayer, ils avaient d'autres odeurs différentes, une autre odeur, parce que peut-être que du coup, j'aurais juste la texture que j'aimais un peu moins, mais l'odeur un peu plus. Donc pourquoi pas essayer, pas celui-ci, mais une autre odeur. Ensuite j'ai terminé un de chez Rituals, donc le Rituals of Sakura. Donc celui-ci c'est une gamme que j'aime énormément, la marque Rituals, pardon. J'aime beaucoup cette odeur, la texture est parfaite, la mousse est douce, délicate, enfin bref c'est vraiment un gel douche que j'aime beaucoup. Le seul petit bémol c'est son prix, puisqu'il est, je sais plus à combien, mais bien 8 ou 9€. Donc comme je vous disais juste avant, moi je trouve que c'est hyper cher pour un gel douche. Mais là voilà, c'est sous forme de mousse et tout ça, donc ça peut peut-être passer. Donc est-ce que je la rachèterai? Il y a des chances. Et ensuite un de chez Action, que j'avais eu lorsque j'étais allée chez ma copine Anaïs, du coup, qui est le Foaming Shower Gel, donc Zen Action Relax, qui est un goût un petit peu, enfin une odeur, hein, c'est pas fruit rouge, enfin je saurais pas la décrire, mais il sent très très bon. Et elle a également la gamme bleue que j'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu le temps de tester, mais celui-ci j'ai beaucoup aimé l'odeur et j'ai beaucoup aimé la texture. J'ai trouvé qu'il moussait très très bien, ça sort vraiment en gel dans la main et après ça se transforme en mousse lorsque vous mettez vraiment sur votre peau. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, je vous le conseille puisqu'il coûte vraiment vraiment rien. Et est-ce que je le rachèterai? Oui, quand j'aurai enfin à Action près de chez moi. J'enchaîne maintenant avec les produits pour le visage, et tout d'abord avec un démaquillant de chez GM Maybelline, donc le cils démasque. Celui-ci pareil, je vais pas trop m'attarder parce que je vais déjà te présenter plein de fois, mais voilà, c'est vraiment mon démaquillant chouchou, c'est celui que je préfère, donc c'est le waterproof, vous savez, qui est biphasé. Et actuellement je suis en train de tester un autre démaquillant puisque j'avais envie de tester d'autres démaquillants. Mais il n'y a rien à faire, c'est celui-ci que je préfère parce que, ben voilà, il démaquille bien, il pique pas les yeux. L'autre que j'ai actuellement me pique un peu les yeux, comme les 3/4 des démaquillants que j'ai essayé d'ailleurs. Mais celui-ci, vraiment, il est top. Enfin voilà, il reste aucun résidu lorsque je me démaquille avec. Donc, est-ce que je le rachèterai? Oui, oui et oui, et je vous le conseille vraiment. Un autre best-seller pour moi que j'ai également terminé, c'est la Bioderma, du coup, la Créaline H2O pour peau sensible. Pareil, je la rachèterai, c'est sûr et certain. Actuellement, je suis en train de tester une eau micellaire de chez Avène
et j'aime moins. Celle-ci, je trouve qu'elle démaquille très très bien également le visage. Elle laisse pas d'effet un petit peu collant, vous savez, sur la peau. Celle-ci, elle est parfaite. Celle que j'ai actuellement, je suis obligée de me rincer le visage après parce que j'ai l'effet un peu mousse. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup moins. Celle-ci, j'ai... Voilà, j'ai jamais rien à dire, je la rachèterai encore et encore, c'est sûr. Et voilà, il existe différentes gammes pour ceux qui connaissent peut-être pas, mais vous avez le bouchon bleu, vous avez le bouchon vert, voilà, selon votre type de peau. Moi, celle-ci, c'est celle qui me convient le mieux et que je rachète à chaque fois. J'ai ensuite terminé plusieurs crèmes pour le visage. Tout d'abord, une de chez Clinique, donc c'est la Moisture Surge. Donc, je suis désolée pour l'accent. Mais du coup c'est le soin auto-réhydratant 72 heures. Vous savez, elle est rose très pâle, un peu effet gel, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Et bah, celle-ci j'ai beaucoup aimé, voilà, elle est pas très très chère, donc c'est un bon point. Et je trouvais que du coup elle était vraiment hydratante pour le visage. La texture gel également très agréable puisqu'elle pénètre très très vite dans la peau. Et voilà, c'est une crème que je rachèterai certainement, mais du coup plutôt en plus gros format. Et ensuite j'ai terminé, non pas une, non pas deux, mais trois crèmes pour le visage de la marque Clarins. Donc pour la petite histoire, en fait j'avais reçu tout d'abord il y a quelques temps du coup l'hydra essentiel, le gel sorbet désaltérant de la gamme Clarins. Donc pour peau normale à mix, que j'avais énormément aimé parce que elle hydrate très très bien la peau. Lorsque vous avez la peau un petit peu desséchée, tout ça, elle fait très très bien son job, elle pénètre très rapidement. Enfin bref, c'est vraiment une crème, enfin un gel sorbet que j'ai beaucoup apprécié. Arrivé un moment, j'avais la peau très très sèche, surtout à ce niveau-là. Et honnêtement, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est disparu mais très vite. Et voilà, j'ai eu une peau qui est redevenue très très jolie, donc j'avais beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, quelques temps après, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir de nouveau une crème de cette gamme. Mais cette fois-ci, pas le gel, mais la crème désaltérante, donc toujours de la gamme Hydra Essentiel. Je trouvais qu'elle était bien aussi, mais j'avais moins aimé que le gel, tout simplement parce que celle-ci est un peu plus longue à pénétrer. Après, les effets sur la peau, je trouve qu'elles sont kiff kiff, voilà, je trouve que niveau hydratation c'est à peu près similaire, donc voilà, elle est top aussi pour ça. Mais j'ai plus aimé la texture un petit peu sorbet en fait de l'autre. Du coup je me suis racheté moi-même le gel sorbet il y a quelques temps, que j'ai terminé il y a à peu près 2 semaines il me semble. Donc le gel sorbet désaltérant, voilà, du coup c'est une crème que je rachèterai, c'est sûr et certain. En ce moment je suis en train d'en tester une autre que j'aime vraiment pas parce que je trouve qu'elle hydrate vraiment pas. Du coup voilà, je pense que je vais me racheter celle-ci dans peu de temps. Après c'est vrai qu'elle est quand même pas donnée, moi je l'avais achetée avec moins 20 ou moins 25% chez Sephora, du coup ça valait le coup. Mais je vous la conseille vraiment si vous avez la peau desséchée, honnêtement c'est vraiment un top du top. Côté maquillage, je n'ai pas terminé grand chose. Tout d'abord j'ai terminé un anti-cerne de chez NYX, donc c'est le HD Studio Photogenic Studio Concealer, donc que j'ai en teinte CW03,5. Et celui-ci, ma foi, je l'aime pas mal parce que d'ailleurs je l'ai racheté, je l'utilise actuellement. Et en fait je trouve que rapport qualité prix, il est franchement plutôt cool. L'embout à l'intérieur, c'est un petit embout mousse comme ça, assez classique. Voilà, je trouve qu'il corrige assez bien lorsque vous avez quelques petites imperfections. Il est pas mal pour mettre dessous les cernes. Il s'estompe bien, il n'assèche pas le dessous des yeux. Donc voilà, c'est un bon point. En plus de ça, il est pas cher, donc je le rachèterai, oui, certainement, quand j'aurai terminé celui que j'ai actuellement. Ensuite j'ai terminé une poudre de chez MAC. Donc c'est la Medium Golden Mineralize Skin Finish. Donc là je l'ai vraiment terminé hein. Là, vous voyez, c'est vraiment le damier qu'il y a dessous. Vous avez un petit miroir dedans. Et celle-ci, est-ce que je la rachèterai? Oui, je l'ai d'ailleurs déjà rachetée, c'est celle que j'utilise actuellement. Elle m'a duré plusieurs mois. Honnêtement, avant de la terminer, elle m'a duré plusieurs mois. Et c'est une poudre que j'aime énormément parce que voilà, elle va venir vraiment unifier votre teint. Elle va venir corriger les tout petits défauts que vous pouvez avoir sans trop avoir quelque chose de compact sur la peau, sans trop avoir quelque chose de solide, enfin qui, voilà, qui empêche votre peau de respirer. Donc voilà, elle est tout en légèreté, tout en faisant quand même son travail de poudre. Donc elle vient quand même, voilà, bien unifier votre teint et tout ça. C'est d'ailleurs celle que j'ai aujourd'hui, vous voyez. Elle fait vraiment naturelle. Donc voilà, c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup et que je rachèterai lorsque j'aurai terminé celle que j'ai actuellement, c'est sûr et certain. Pour terminer avec le maquillage, j'ai fini 3 mascaras de chez L'Oréal. Donc c'est 3 fois le même. C'est le Paradise Ecstatic. Et donc c'est mon chouchou niveau mascara depuis que je l'ai découvert. Je trouve qu'il est aussi bien que le Better Than Sex de chez Too Faced, mais moins cher. Il a la brosse qui est...
Ouh, kiff kiff en fait, je vais y arriver, celui-là il est un peu sec. Kiff kiff au Better Than Sex, mais voilà, il est approximativement à 12€ à Géant, moi je le trouve à Géant. Tandis que le Better Than Sex est à au moins 22, 23, voire même peut-être 24€ chez Sephora. Du coup voilà, pour moi il n'y a pas photo parce que je trouve qu'il est vraiment similaire. Pour beaucoup moins cher, il s'applique très très bien, il fait pas de paquet, il donne vraiment de la longueur, du volume aux cils. Et il se démaquille très bien avec le démaquillant cils démasque. Donc voilà, c'est vraiment un bon point. Est-ce que je le rachèterai? Oui, encore et encore et encore. C'est celui que j'ai actuellement. Quand je l'aurai terminé, je le rachèterai. Voilà, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un mascara qui est top. Pour terminer cette vidéo, j'ai fini deux bougies. Donc tout d'abord, une de chez My Jolly Candle. Donc linge frais. Celle-ci, je l'avais reçue de la marque. Et je trouve le principe franchement plutôt cool. Voilà, vous avez une bougie qui sent franchement bon. Elles sentent vraiment le linge frais. Elles sont franchement bon, à l'intérieur vous avez un petit bijou, donc c'est super agréable. Après j'ai trouvé qu'elle ne diffusait vraiment pas assez bien l'odeur. En fait je trouve que voilà, moi je l'ai mise dans le salon et je trouvais qu'on sentait pas l'odeur comme je peux sentir avec d'autres bougies. Donc voilà, j'étais un peu déçue pour ça, parce que quand on la sent comme ça, elle sent vraiment vraiment super bon. Mais elle diffuse pour ma part pas assez bien. Alors peut-être que dans une plus petite pièce ça irait. Donc voilà, peut-être que si j'en reçois de nouveau, je mettrai dans une plus petite pièce. Comme ça je pourrais peut-être me faire un autre avis. Mais est-ce que je la rachèterai? Pour l'instant non, parce que bah, du coup je suis restée sur un avis un petit peu négatif, du fait que pour moi elle ne diffusait pas assez. Après le packaging est franchement super beau, ça fait classe je trouve sur une table. Vous l'allumez, ça s'éclaire tout en jaune dedans, enfin c'est joli. Mais je pense pas que je la rachèterai. Et ensuite j'ai terminé une bougie de chez Bath & Body Works, donc c'est la Midnight Pomegranate. J'en ai terminé d'autres mais j'avais pas gardé du coup les packaging. Et celle-ci du coup j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que contrairement à l'autre je trouve qu'elle diffuse super bien. Oh, je ne saurais pas trop vous décrire l'odeur, mais elle sent vraiment super bon. Vous avez dedans 3 mèches, du coup en fait vous arrivez à bien... aller jusqu'au fond. Donc là vous voyez qu'il m'en reste un petit peu, mais j'arrive pas à les allumer, j'arrive plus à avoir de la bougie. Donc je pense que je vais gratter un petit peu pour pouvoir récupérer le pot, parce que le pot est joli, c'est joli pour mettre des cotons de tige ou des cotons tout simplement sur ma coiffeuse. Et voilà, est-ce que je rachèterai des bougies de chez Bath & Body Works? Oui, d'ailleurs à chaque fois que je pars dans un pays étranger qui a ce magasin, j'en rachète, parce que voilà, c'est des bonnes bougies. Après elles coûtent un petit peu cher quand même, elles sont aux alentours de 25€ on va dire, donc c'est quand même pas donné, mais elles diffusent bien, donc moi c'est des bougies que j'aime beaucoup. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, je vous ai présenté tous les produits que j'avais pu garder. Donc je continuerai maintenant à garder les produits que je finis, comme ça au moins je pourrai vous faire une vidéo produit terminé assez régulièrement pour vous donner mon avis sur ce que j'ai utilisé. J'espère également que le petit changement de décor vous plaît, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu de décor, ça change un petit peu, voilà, c'est une vidéo un petit peu plus... voilà, devant mon canapé, un peu plus cocooning, voilà, j'avais envie de changer, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé également ce décor. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.